fait, de Naboo, c'est une poupée russe, Naboo. Hein. Il y a plein de choses à l'intérieur de Naboo. Il existe en grande soirée annuelle autour de grands vins, Bordeaux, et aujourd'hui, c'est Bourgogne. Voilà. Donc, Naboo fête la Bourgogne, c'est une soirée où on met en avant, dans un premier temps, des grands vins en dégustation. Aujourd'hui, c'est en blanc, premier cru, grand cru 2012, et en rouge, premier cru et grand cru 2006. Et dans un deuxième temps, dîner tout au Bourgogne avec un plat qui s'adapte à chaque vin. Sachant qu'il y a 12 maisons, donc il faut voilà, faire un accord avec le chef, avec Alain Pégouret, qui est quelqu'un qui aime beaucoup le vin. Donc c'est très facile de travailler avec des chefs qui comprennent cette particularité d'accorder le vin et les mets. Et les maisons et les clients se mettent autour d'une table et ils vont souffrir pendant 3 heures en buvant des grands vins et en dégustant des grands plats. Dans la dégustation, en fin de compte, Naboo est une maison assez fidèle. Tout le long de l'année, Naboo achète des vins, des grands vins, à des maisons pour animer des clos, ce qu'on appelle des clos, des soirées qui se déroulent dans toute la France. Et ces gens-là, on les retrouve souvent dans nos grandes soirées. Où pour eux, c'est l'occasion de sortir des vieux millésimes, comme aujourd'hui. Donc c'est l'excellence de la Bourgogne. Le choix, après, ça dépend un petit peu de la disponibilité des vins. Là, on est sur les rouges 2006, il n'y en a plus beaucoup en cave. Donc il y a des très bons vignerons qui travaillent avec Naboo qui n'avaient plus de 2006, donc ils ne sont pas là ce soir. Et d'autres qui en avaient. Donc voilà. Mais c'est, en fin de compte, c'est pas, on ne cherche pas des vins ou des domaines particuliers pour une soirée, c'est toute l'année. Moi, j'ai la chance de travailler sur le sourcing en partie des vins chez Naboo. Donc, c'est toute l'année, on me demande de chercher l'excellence et la disponibilité, bien sûr. Ben, ce qui se passe en ce moment, c'est que les clients sont de plus en plus ouverts. Avant, on était Bordeaux, Bourgogne et point barre. Aujourd'hui, les gens sont ouverts sur d'autres régions. On les voit s'intéresser à la Loire, on les voit s'intéresser au vin du Sud, on les voit s'intéresser au Sud-Ouest. Donc, c'est une curiosité du client qui fait que nous devons leur proposer des originalités, on va dire, dans le vin. Et puis, c'est un peu notre manière aussi de fonctionner. C'est-à-dire que moi, j'aime bien un peu surprendre un client. On va dire si il a l'habitude de boire toujours le même rouge du Sud-Ouest avec son canard. C'est peut-être aussi à moi de le bousculer dans ses habitudes. Mais il y a une vingtaine d'années, on va dire que le client, il le prenait bien, mais mal. Mais ça le sortait un petit peu des rails. Aujourd'hui, il est très content. Il attend ça. Il attend de nous à ce qu'on lui fasse des propositions plus originales. Oui, c'est vrai. Il a surtout la chance de croiser des grands vignerons qui sont aujourd'hui presque des stars. C'est des rockstars aujourd'hui, les grands vignerons, ils sont demandés dans le monde entier. Et je suis content que les clients Naboo profitent un petit peu de cet ADN qui est assez exceptionnel. Puis partager une soirée avec un vigneron qui raconte tous ses secrets, un petit peu ses méthodes de travail, ben, ça vous sort aussi du business. Parce que là, il y a aussi des grandes entreprises qui sont associées à ces soirées. Et donc, voilà, non, les belles anecdotes, c'est ça, c'est des rencontres humaines et changeantes, et voilà.